aujourd'hui, petite astuce concernant la coupe de plaque aluminium, je vais dire ainsi. Donc là, je dois couper des systèmes AWA, donc c'est le système de porte coulissante pliante. Et j'ai des profilés aluminium assez conséquents à couper. Donc une épaisseur assez importante, hein, quasiment 7 ou 8 mm d'épaisseur pour certains. Et donc ce qu'il faut bien penser à faire, elle est toute simple, astuce, hein, c'est bien bloquer sa pièce déjà d'une part sur la machine. Et d'autre part, utiliser non seulement une lame adaptée idéalement, une lame aluminium, d'accord, et réduire la vitesse. Donc la vitesse idéale pour couper l'aluminium, c'est 2000 tours minute, d'accord, pour un diamètre de lame d'environ 250. Donc moi ici, avec la CAPEX, je règle vitesse 3, d'accord. Donc sur le dessus, on a vitesse 3, et je vais couper les profilés. Donc je fais ça. C'était juste une petite vidéo tranquille, ben voilà, pour vous donner cette information, parce que ça m'est arrivé, ben voilà, Louis, mon ancien stagiaire, pour ceux qui le connaissent, m'a explosé une lame complète en coupant un simple profil aluminium de rive de toiture, parce qu'ils sont rentrés dedans trop vite d'une part, et ils n'avaient pas adapté la vitesse de coupe. Donc c'est très très important, parce que honnêtement, c'est plutôt dangereux de couper l'aluminium sans respecter ces règles-là. Donc première chose, vitesse adaptée, la lame adaptée, donc vitesse 2000 tours minute, la lame adaptée, et ensuite rentrer de l'avant tout doucement, et laisser travailler votre lame pour le faire. Allez, je fais une petite démonstration et je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!